Ouais, c'est joli. Hein. Rivière-d'Ain, depuis plus de 41 ans maintenant, je vis à moins de 500 mètres d'elle. C'est vraiment ma rivière de prédilection. C'est elle où je me sens le mieux. C'est une des perles du Jura, puisqu'il y a quand même sa cousine la Bienne qu'il ne faut pas oublier. Mais moi, c'est là où je ressens les vraies émotions quand je pêche, quoi. On appelle ça une rivière de cœur. Je ne suis pas que pêcheur, je suis avant tout amoureux d'elle, quoi. C'est ma meilleure amie, disons. Elle m'a jamais déçu, elle m'a apporté que du bonheur, donc je ne suis pas là qu'en période de pêche. Moi, je suis sur ses berges l'automne, l'hiver, pour regarder les truites frayées, pour regarder les truites en activité l'automne, au printemps, quand elles se préparent. Donc je foule ses berges à longueur d'année. Il y a des histoires vraiment sur à chaque virage. Bébé de la Haute Rivière d'Ain. Il y a une belle truite qui vient la voir. Oh là là! Elle l'attaque. C'est incroyable, hein? C'est un truc de fou. Hein? Donc, ouais, faut bien se mouiller les mains. Bon, ça, c'est vraiment une truite, elle s'est même pas reproduite encore. Hein? C'est une truite qui fait 26-27 cm. C'était... Donc, c'est vraiment un petit poisson. Ma pêche de prédilection, depuis quelques années maintenant, c'est la nymphe à vue. J'ai vraiment du mal à retrouver les mêmes émotions dans d'autres techniques de pêche que celle-ci. Alors dans ma vie de pêcheur, avant, j'ai pratiqué un peu toutes les techniques. Hein, c'est pour ça aussi que je peux me permettre de parler, parce que j'ai pêché au ver, j'ai pêché à la cuillère, j'ai pêché au verron, j'ai pêché à plein de choses. J'aime bien pêcher en sèche aussi, mais... le summum de mon plaisir, je le retrouve quand j'arrive à bloquer ma truite au fond de l'eau, à l'approcher un peu en mode chasseur, et puis la voir se décaler, venir prendre mon imitation, c'est vraiment... c'est fabuleux, quoi. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à aimer ça, puisque quand on voit le nombre de pêcheurs et les kilomètres qu'ils sont prêts à faire pour venir pêcher chez nous, c'est des émotions partagées, il me semble. Elle y est. Eh ben, dis donc. C'est le poisson qu'on voit depuis le tout début, ça. Voilà. Ça, c'est une belle truite de la Haute-Rivière, là. C'était vraiment pas une question de nymphe ou d'imitation ou quoi que ce soit, parce que c'est une bestiole que je lui ai proposée déjà au moins une bonne dizaine de fois. C'est exactement la même. Sauf que là, je pense que j'ai moins fait d'erreurs que les... Comme quoi, c'est le pêcheur qui fait beaucoup de choses, quand même. Et puis là, ben, j'ai dû mieux pêcher que les premières fois, tout simplement. Matériel, nous, pêcheurs à la mouche, c'est très light. On a un gilet, une ou deux boîtes à mouche, deux bobines de fil, une paire de polarisantes, c'est quand même très important pour pêcher à vue, et puis une canne, et soit des waders ou même pas de waders si l'eau est convenable au niveau température. Donc c'est vraiment super léger, quoi. En deux temps, trois mouvements, on est au bord de l'eau. Deux mains suffisent. Tu restes là, toi.
début de pêche, c'est quand même mieux de regarder si, en tout cas, la dernière partie du bas de ligne, voilà. C'est des stigmates des pêches précédentes. Et si on ne fait pas attention à ça, la première truite qui sera piquée en début de partie de pêche, voilà. C'est fini. Donc là, j'ai remis un bout de 18, un bout de 16. Puis on va mettre la pointe. Donc la pointe, c'est le dernier brin de notre bas de ligne. Ce matin, on va commencer en 14. Et puis si on voit que les truites sont un peu réticentes, on baissera. Là, on est sur la partie de la rivière d'Ain, très proche de mon domicile. Donc c'est des poissons que je connais. Certains, j'ai dû certainement déjà les prendre aussi. Donc ils me connaissent aussi, c'est un peu le revers de la médaille. Mais on sait au moins où les trouver. Après, pour les prendre, ma foi, c'est entre elle et nous. Et puis on verra bien qui va tirer son épingle du jeu. Pour la nymphe à vue, l'approche, elle est primordiale. Surtout qu'en ce moment, on a des eaux très basses, donc du poisson méfiant. On n'est plus tout à fait en début de saison, donc on a des poissons qui ont déjà été très sollicités. Donc il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Mais c'est pas gagné malgré tout une fois qu'on a approché. Il faut que techniquement, le passage de la nymphe vers le poisson soit propre et se rapproche le plus possible, c'est le but du jeu, d'une dérive d'un insecte naturel, quoi. Alors après, là, c'est l'expérience et le métier du pêcheur qui font la différence et qui font que certains prennent plus de poissons que d'autres, quoi. Elle y va. Ah, je m'arrive dans l'arbre. Ah, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. C'est vraiment foutu, là. Je pense que c'est foutu. Ouais. C'est foutu. C'est un peu le danger de pêcher à côté de la cache. Quoi. Bon, je connais quelqu'un qui fait des mouches, donc ça va. On va se décaler un peu de la berge, là. Puis on va remonter en regardant de ce côté-là. Parce qu'on a le soleil qui plonge sur la berge. Alors que l'autre berge est à l'ombre, on aura des difficultés à voir pour l'instant. Bon, il y a un courant malgré tout, mais ça reste un courant très très modéré. Et donc la moindre ondulation, ce que je suis en train de faire en rentrant dans l'eau, peut mettre en éveil un poisson qui est en train de se nourrir en face. Ou alors peut mettre en éveil un poisson qui est au milieu, qui lui va fuir, et la fuite de ce poisson-là va mettre en éveil le poisson qui est plus loin. Donc ça peut faire une escalade en chaîne, et puis qui est très dangereuse. Mais bon, de temps en temps, tout le temps pêcher du bord, souvent à l'arbalète ou enroulé. Moi j'aime bien aussi être dans l'eau et pêcher estival. Donc c'est sûr qu'on ne recherche pas forcément le même type de poisson, parce que les gros poissons, ils n'aiment pas du tout ça. Mais bon, prendre une truite de 30-40 en étant dans l'eau, en fouettant un petit peu, c'est très sympa aussi. Donc ça change, quoi. Ça nous fait faire autre chose. Tiens, elle y est. Ah ben là, voilà. Voilà. Donc alors ça peut peut-être faire peur à des gens, mais c'est un jeune poisson pour la rivière. Belle truite. Poisson d'une quarantaine de centimètres. Quand on fait le choix lors d'une partie de pêche de pratiquer des parcours aval de rivière où on a l'espoir de voir des gros poissons, faut jamais s'attendre à du score. Là, on recherche le poisson, un poisson plus beau que les autres. Donc quand on touche malgré tout un poisson, on est content, quoi, en général. En tout cas sur la rivière d'Ain. Pour pêcher la haute rivière d'Ain en nymphe à vue, comme bien d'autres rivières de Franche-Comté, de mon point de vue, il ne faut pas trop se casser la tête, il faut rester sur un, deux modèles qui sont connus, qui sont des valeurs sûres, et puis les décliner en taille et en poids sur chacun des tailles. Donc moi j'utilise beaucoup l'imitation de... On trouve sur les bords de l'Ain, comme sur les bords de la Bienne et d'autres rivières, des petits crustacés qu'on appelle gamores. Et puis autrement, un dérivé de la célèbre faisan de taille, qui est une nymphe faite... en fibre de queue de faisan. Donc c'est des nymphes très simples. Mais quand on les décline
en 4 tailles et on met 3 poids, ça commence à faire quelques références quand même et ça suffit à passer une saison. Oh, cette puissance, c'est fou quoi. Incroyable. Oh là 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 là. Ben, c'est pas gagné du tout. Elles sont nourries. Fais attention de la tenir dedans. Oui. Eh ben, pouh. Truc de fou cette truite. Oh, ce ton. Ah mais c'est pas étonnant, elle est plus large qu'elle est longue. Oh là là, ce poisson, une carpe. Et là, on est vraiment dans la taille, voilà, 50, 52 cm. Des poissons en pleine bourre, en pleine force de loge. Et je crois que pour trouver plus puissant, il va falloir faire fort, parce que vraiment, elle m'a mis la misère, un coup dans le buisson du haut, un coup dans le buisson du bas. Allez, c'est l'heure. Content le pêcheur, très content. Si ça bime le fil, on le met juste comme ça. Taille 11 pieds 3 bras, 9 pieds 2 bras. Voilà, alors dans la famille aujourd'hui, j'ai 3 beaux enfants, un garçon qui est l'aîné, Thibaut, et puis 2 filles, Amandine et Lilou. Mais c'est vraiment Thibaut qui est passionné. Et même il va au-delà de ce que je fais moi, parce que lui, il est vraiment passionné par la pêche. Il peut très bien aller avec un carpiste, avec un pêcheur de silure, aller au bec, comme prendre son pied à pêcher à la mouche avec les truites, quoi. Au moment où j'ai appris que Laetitia attendait un garçon, je me suis mis en quête de trouver quelqu'un pour me faire cet étang. J'ai commencé à lui fabriquer une canne à mouche avec des restants que j'avais adaptés à la taille du petit bonhomme. Donc oui, tout était prêt, avant même qu'il soit né. Mais bon, c'était aussi le rêve d'un papa, quoi. Le rêve d'un papa pêcheur. Quand j'étais petit, c'était un de mes endroits préférés. J'y venais après l'école ou passer mon temps que j'avais. Je venais prendre mes poissons, mais là, maintenant que je sais pêcher à la rivière et que je sais prendre les truites de la rivière, j'ai plus besoin de venir ici. Mais là, c'est un endroit qui est cher à moi. Les 3 personnes qui ont compté dans ma vie et dans ma vie de pêcheur, dans les deux, hein, j'insiste. Donc il y a mon grand-père, mon papa et André Terrier. André Terrier, il parle encore énormément aux pêcheurs français de ma génération et plus, quoi. Les plus jeunes, forcément, se reconnaissent moins. Ils connaissent ses mouches sans forcément connaître le personnage. André Terrier, c'est vraiment la rencontre qui a fait que la pêche loisir est devenue passion, est devenue vie, est devenu tout, quoi. Et j'ai eu la chance aussi que cet homme ait 2 filles et non pas de fils. Donc il fallait qu'il lègue aussi, je pense, quelque part son savoir. Et j'ai croisé sa route au bon moment, quoi. Donc je suis devenu, comme il aimait m'appeler, son disciple. Et pendant une dizaine d'années, j'ai vécu de très très bons moments parce que déjà l'homme en tant que tel était quelqu'un vraiment d'extraordinaire et le pêcheur était au summum de son art. Donc j'ai gagné énormément d'années à le côtoyer. Du côté du pêcheur et du côté de l'homme, il a été énorme pour moi. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne cesse de rappeler sa mémoire, parce que sans lui, il est évident que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, quoi. Thank you.
Donc j'ai prévu de pêcher avec mon fils, donc en général quand il rentre de l'école, moi j'ai déjà mis toutes ses affaires dans l'auto, il y a le sandwich qui est préparé par la maman, on va pas perdre de temps non plus pour des choses inutiles, donc il cassera la croûte dans la voiture et on va à la pêche quoi. Avec mon fils, moi j'aime bien pêcher des parcours où la densité de truites est intéressante. En général, on remonte un bon coup sur la rivière d'Ain. Voilà, il y a deux types de pêche. Je pêche tout seul, je cherche des beaux poissons. Et quand je pêche avec le gosse, ben, on pêche, quoi. On se fait plaisir. Donc que la truite fasse 20, 25, 30, peu importe. Donc on cherche plutôt des parcours à forte densité. Donc là, on est remonté très très haut sur la rivière, puisqu'on est au-delà des paires de lin. Il y en a une belle. Ah ben là, j'ai glissé. C'est bon. Pendu, bravo. Bien. Ramène pas trop vite, ramène-la pas trop vite. Parce qu'on sait jamais, si elle te fout un coup de gueule, voilà, puis tu l'épuises quand elle arrive. C'est bien, Zouzou. Hein ben avec Thibaut, il y a eu plusieurs phases. J'ai été beaucoup sur son dos plus jeune. Et j'essaye de lui laisser de plus en plus d'indépendance. Même quand je le vois faire des erreurs, je le laisse presque faire parce que c'est comme ça qu'il va imprimer au mieux en se rendant compte de son échec. Et par contre, on en parle souvent derrière. Maintenant, il a 15 ans, donc je le laisse un peu plus indépendant. Et puis bon, force est de constater que sur certains poissons, il n'a plus trop besoin de moi, quoi. Prends ton temps, prends ton temps. Oh, bravo! Elle est belle? Ouais, ça va, plus petite que la première. C'est bien. Beaucoup de lignes, super. Un désir de transmission, je sais pas vraiment si c'est le terme, c'est un plaisir qu'il ait la même passion que moi, c'est clair. Mais si un jour il décroche ou s'il n'en avait pas voulu faire la même chose, ça m'aurait fait un petit pincement au cœur, forcément, mais c'est pas ça qui aurait changé ma vie, quoi. Donc voilà quoi, c'est par contre le fait qu'il aime ça et qu'on puisse partager ça ensemble, c'est juste énorme quoi. Bah c'est des très bons moments, ils sont rares en plus, donc de plus en plus rares. Avant quand j'étais plus petit on y allait plus les deux. Mais là maintenant je suis plus grand donc je peux y aller seul. Et les petits moments comme ça passés à deux sont bien aussi. Elle y est. Bien joué papa. Joli. Ah beaucoup de lignes. Loin. Impeccable. Oula. Pour la rivière, ça reste un très joli poisson. Voilà. Une toute petite truite. Elle doit pas être bien vieille. Là, jolie truite, bien combative. Là, voilà, belle truite, jolie petite truite, avec des belles zébrures. Je dirais qu'elle a été façonnée au marqueur. Hein. Par rapport à la pêche aux grosses truites, où on est tout le temps en chasse plus qu'en pêche, bah là on pêche quoi, on est tout le temps en action, on voit des truites un peu partout, il n'y a pas besoin d'attendre une heure avant de fouetter ou sortir sa nymphe parce qu'on n'a pas vu de truite pendant une heure de temps, ça n'existe pas sur ce genre de parcours. Donc ça fait du bien de temps en temps, puis regardez, elles sont super belles quand même, non? T'aurais dû laisser couler ta nymphe un peu plus loin d'elle avant de relever. M'écoutera-t-il, m'écoutera pas-t-il? Tu la vois dans le trou là-bas? Ah oui, oui, oui. Ouais, ben, t'as le chemin qui descend. Allez, on te regarde. Bravo! Bravo! Ah, super! Beaucoup de lignes. Génial!
Bravo. Un vrai poisson de chez nous, sans point rouge. J'ai été spectateur de la scène, et c'est aussi beau que de pêcher. Super. Il y a une continuité par rapport à André, par rapport à mon papa, j'oublie pas mon grand-père. Et parce qu'en plus, Thibaut n'a connu aucun de ces trois hommes. Donc je lui en parle. Et puis par le biais de la pêche, eh ben, il continue cette lignée, si on peut dire, même si on n'est pas tous de la même famille avec André. Mais les connaissances communes, en tout cas, se lèguent de génération en génération. Et elles ne sont pas perdues. Donc c'est très bien. C'est pas du tout la pêche. Moi, je suis technicien qualité dans l'industrie plastique, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais il y a bientôt 4 ans, suite à un changement professionnel de ma chérie, on a décidé de monter en auto-entrepreneur une petite boîte de fabrication de mouches et de bas de ligne pour améliorer l'ordinaire. Et puis bon, c'est parti de quelques centaines à quelques milliers aujourd'hui sur une année, plus quelques centaines de bas de ligne. Donc c'est, je pense, autour des 15 à 20 heures de travail par semaine, en plus de mon premier métier. Donc il me reste quand même du temps pour aller à la pêche, mais il y a des semaines où c'est compliqué. Donc là, je fais ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire les petits gamores que je nomme JFD. C'est toujours ces fameuses imitations de petits crustacés qu'on voit dans la rivière et avec lesquels on a pris quelques truites durant cette semaine. Donc ça, c'est la première étape. Puis après, il y a une étape finale où je pince le gamore pour lui donner la forme réelle. Et ensuite, il y a 3 à 4 couches de vernis à passer pour le rendre la forme luisante. D'après certains clients, elle fonctionne même sur des rivières où il n'y a pas de gamore. Donc ça doit quand même fonctionner. J'en vends pour des pêcheurs de la Touvre, des pêcheurs de la Sorgue, pêcheurs de la Basse-Rivière d'Ain. J'ai des amis vosgiens qui en prennent aussi. Donc ça doit marcher, fonctionner un petit peu partout. Et je fais des boîtes de ces bestioles pour des gens qui vont en Slovénie ou en Nouvelle-Zélande. Donc ça fonctionne un peu à droite à gauche. Le bureau de poste par rapport à... Au fly shop, j'y vais un peu tous les matins. Et c'est tant mieux, quoi. C'est quand j'y vais pas du tout que ça sent pas bon. Bonjour Colette. Bonjour. Donc, comme d'hab. D'accord. J'expédie 80-85% du temps en France. Et puis, j'ai déjà expédié depuis l'histoire du fly shop dans une dizaine de pays d'Europe. Et les pays limitrophes, quoi. Souvent la Suisse, Belgique, Italie, Espagne. Puis de temps en temps, c'est un peu plus exotique. Il y a 3 semaines ou 4 semaines, j'ai envoyé en Écosse, par exemple. Donc c'est sympa. C'est un parcours, on va dire que l'accès est limité, donc entre Crotenay et Champagnole. Pour ceux qui connaissent, ils sauront d'où je parle, toujours sur la haute rivière d'Ain. Donc c'est un parcours très sauvage, très boisé, et donc très calme, et on devrait trouver quelques beaux poissons en activité, je l'espère. Il y a une lance surface, tu vois, mais elle est toute petite, on va pas l'embêter. Là, on va descendre, on est sur un endroit où il y a des grandes eaux, c'est très profond. Donc le temps qu'on descende, on va regarder si on voit du poisson en bordure. Et s'il y en a, on attaquera l'arbalète ou enroulé.
Et puis on va retomber ensuite en bas de la fosse sur un endroit moins profond, un peu plus accéléré, où j'espère on verra des goboges et on pourra pêcher un peu à distance. Elle y est. Oh ben elle est malade cette truite. Ah non, oula. Non, elle est pas malade en fait. T'as vu, elle a des couleurs étranges. Rencontre étrange, on dirait une truite des Pyrénées. Pour le Jura. Elle n'est pas zébrée. Comme on vit à une époque où on ne garde plus les truites, pour s'en souvenir, on regarde les photos les années d'après. C'est sûr qu'il y a eu un moment où les truites, il y avait plus de truites que de cailloux, donc ça dérangeait pas d'en garder quelques-unes. Mais maintenant, si on commence à tout garder, c'est compliqué. Ouais, la longe, ça peut être beau. Hein. Le fait de la voir prendre, oui, c'est vraiment des émotions particulières. Après, les émotions sont décuplées avec les centimètres, on va dire. Donc ça, c'est une truite qui fait très plaisir, mais qui reste une truite moyenne. Alors, certains pêcheurs au-delà de la France vont trouver ça un peu prétentieux, mais on a la chance d'avoir des truites de 40-45 en densité convenable. Donc on est assez habitué à prendre ce genre de poisson. Si on a la chance d'avoir une bonne densité de poissons sur plusieurs classes d'âge ici, c'est dû à plusieurs facteurs, dont un déterminant, c'est que depuis 3 ou 4 ans, on a une très bonne pluviométrie donc pour passer l'été, et la rivière ne chauffe pas trop, et donc on a très peu de pertes, ce qui fait que les populations se portent très bien. Au niveau pollution, on est peut-être un peu mieux loti que les autres aussi, bien qu'on a de sérieux problèmes avec tout ce qui est scierie et produits de traitement du bois. Un petit peu d'agricole et du domestique. Mais il suffit, je touche du bois parce que je ne veux pas que ça arrive, qu'on passe un été sec, comme on a connu en 2003, et tout peut être remis en question très très vite. Il y va. Oh, là, je suis obligé de... Oh bah dis donc, elle fait plier la canne. Ah oh, si, elle est belle quand même, dis donc. Oh là, celle-là, elle est vraiment grosse, quoi. Super poisson, quoi. Un poisson bien gros, bien en forme. Ça, c'est un poisson qui fait 1 kilo. 45, 46. Ben voilà. Super. Ce genre de poste te force à te concentrer un peu plus parce que tu sais qu'à tout moment, tu peux croiser le poisson de ta vie, quoi. C'est le genre de fosse où... Ils se voient une fois dans l'année, une fois tous les deux ans, un poisson qui fait couser un peu tout le monde, quoi. On va pas le trouver dans un radier de 10 cm de... Enfin, sauf s'il est en chasse, mais régulièrement, c'est vraiment sur ce genre de poste, lent, profond, et avec des gros blocs, des grosses caches, des gros tas de bois, des arbres morts dans l'eau. Donc là, oui, là, ça pue le gros fiche, quoi. Oh, elle est belle aussi, dis donc. C'est une belle truite, là.
c'est vraiment une belle truite. Cuivrée. Elle est superbe. Celui-là, il arrive à 50 cm, donc là, on est quand même déjà sur des tailles plus que correctes. En plus, un poisson bien en forme. On voit que ça commence déjà à vieillir. La gueule est bien marquée. Poisson âgé de 5 ans. On n'est pas heureux ? J'aime bien communiquer par plaisir et par besoin, que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur le blog. Donc pour déjà le plaisir de partager ma passion. Aussi pour essayer de sensibiliser, d'informer les pêcheurs, le pêcheur lambda qui pratique uniquement son loisir sans aller chercher plus loin. Le sensibiliser sur la réalité de la situation des rivières, sur les hommes qui y sont derrière et qui passent du temps pour améliorer l'ordinaire et pour essayer de rendre justement cette passion et ce loisir fabuleux en gardant des eaux de qualité. Alors, il y a quelques années, par rapport à ce besoin de faire connaître la réalité du monde rivière et pas seulement que les bons côtés, malheureusement, j'ai eu l'idée de vouloir faire ce DVD qui s'appelle « L'envers du décor » par rapport à ce qui se passe sur les rivières du Jura. Et donc c'est grâce à la bonne volonté des gens qui suivent le blog, qui m'ont fourni une multitude de vidéos lors de leur partie de pêche, sur des égouts qui se diversent directement dans les rivières, ou sur des dysfonctionnements autres, agricoles, ou pollution de scieries, etc., etc., de truites malades. On a pu, avec l'aide d'amis, monter ce DVD de 26 minutes, et puis le distribuer à tous les maires des communes jurassiennes, pour les sensibiliser, puisqu'ils ne savent pas forcément ce qui se passe au bord de l'eau, vu que nous, pêcheurs, on y est tout le temps, eux n'y sont jamais. C'était leur apporter par l'image la preuve de ce qu'on essaye de dire depuis des années et des années, que la rivière, que nos rivières sont quand même maltraitées. Si tous les pêcheurs montaient au créneau en étant soudés, on nous écouterait peut-être un peu plus. En plus de toutes les catégories sur le blog, il y en a une qui est à ma préférence, c'est les histoires de pêche. Au début, je racontais une sortie comme un peu tous les blogueurs, quoi. Et après, je me suis fixé sur l'histoire d'une truite, c'est-à-dire que je pars sur une prise qui n'est pas vraiment comme les autres, et puis je la détaille, je la raconte. Donc c'est une grande histoire par rapport à la prise d'un seul poisson. Et j'essaye de rentrer dans les détails pour que la personne qui soit derrière son ordi et qui lise cette histoire se retrouve un petit peu avec moi au bord de l'eau, quoi. Et ça m'a permis en tout cas de rencontrer Akira, qui est un pêcheur japonais, et qui, à travers mes histoires, a appris le français. Et puis il a fait le pas de cliquer sur la petite case « Contact » du blog pour m'envoyer un mail. Et c'est comme ça qu'on a fait d'abord une rencontre électronique qui s'est avéré réel par la suite. C'est vraiment assez génial, quoi. Alors là, on va rencontrer Akira et je l'ai aidé à se loger, à lui faire connaître les parcours ici pour qu'il prépare son voyage au mieux, quoi. Et c'est vraiment une rencontre particulière. Ah, ben, je pense que Akira est déjà là, oh oui. Avec son épouse. Bonjour, bonjour Akira, ça va bien? Oui, ça va. Bon, pêcher un peu ce matin? Oui. Et oui. Pris une truite, deux truites. Deux truites. Deux truites, oui, ouais, super. Bon, bien. En sèche? Oui, en sèche. En sèche, ok. Bon, on va essayer d'aller en prendre une à vue, ouais, aujourd'hui. On va rejoindre la rivière et on va remonter un petit peu le courant. Mm-hmm.
comme les canoës viennent de sortir de l'eau, mm-hmm. on va remonter pour retrouver une zone calme. D'accord. Et espérer voir des truites. Akira, vous voulez essayer en nymphe ou en sèche ? En nymphe. En nymphe, ici, dans okay. le courant. Au Japon, vous pêchez beaucoup comme ça ? Non, toujours en sèche. Toujours en sèche, oui, d'accord. Presque toujours. Ok. C'est une chance, c'est une oui. belle pêche. Alors c'est plus difficile en France pour vous ? En sèche, c'est pareil, mais en nymphe... Compliqué. Oui, compliqué. Alors Akira, comment, d'après ce qu'il m'a expliqué, donc est proche de la retraite, ou est en retraite même, je crois, et en lisant les histoires, eh bien, il a décidé de venir en France, et plus particulièrement dans le Jura. Donc une fois qu'il a eu décidé de sa destination, il a pris un professeur de français, et ça fait 2 ans qu'il apprend notre langue en vue de ce voyage. Votre nymphe. Mmh. Elle doit passer près des bords de l'autre côté, mm-hmm. plus qu'au milieu, là. Mm-hmm. Au milieu, ouais. c'est moins bon. Il faut pêcher là-bas. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, Akira, comme il n'a jamais pratiqué la pêche à vue et qu'il a beaucoup de mal à repérer les truites dans l'eau, donc lui, il s'est mis un fil fluo qu'il a un peu tire-bouchonné qui va lui servir de repère. Et il a sa pointe derrière avec une nymphe. Et donc, il pêche l'eau. En espérant voir son fil jaune fluo s'étirer un bon coup et pendre une belle truite, quoi. Disons que c'est une technique comme une autre qui peut tout à fait aboutir à un très bon résultat. C'est un jeune poisson. Voyons, on voit même... elle a encore des points rouges. Ouais, oui. Elle a encore des points rouges. Mmh. Alors que les truites, quand elles grossissent, elles n'ont plus les points rouges. Mmh. Prise à la nymphe. Mmh. À vue. C'est ça qui est compliqué pour Akira, c'est de... Comme il n'est pas habitué à pêcher à vue, c'est très dur de voir les truites. Au Japon, les courants sont très rapides. Plus rapide qu'en France. Et donc, les poissons, même le poisson est très vite, peu gové. Ici, c'est tout c'est lent. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est très intéressant pour moi. La rencontre avec Akira, c'est vraiment une très très belle rencontre et qui apporte de la fraîcheur dans une saison de pêche, quoi. Cette fois-ci, on va faire une petite infidélité à ma rivière. Je vais rejoindre les copains sur une rivière jurassienne cousine de la mienne qui s'appelle la Bienne. Donc c'est très très rare, mais pour les copains, j'aime bien, donc je le fais avec plaisir. La casquette spéciale bivouac. Thibaut, t'es prêt, c'est bon ? Ouais. Ok, bon y go. Eh ben nous voilà arrivés gros, on est les premiers quoi. Les hauts savoyards sont à la bourre.
Oh là là, comme elle est belle. Tu sais pas, on va pas les attendre 15 ans. Hein. On va aller s'habiller et puis on va aller voir les truites, quoi. Donc on attend Nas et Fred qui viennent de Haute-Savoie. Donc si tout se passe bien, Fred a dû prendre Nas à la sortie du taf. Le gros problème, c'est que Nassim soit prêt à temps. C'est surtout ça le souci. Voilà les fous. Et ben les voilà, presque à l'heure. Hein. 7 minutes de retard, c'est correct. Qu'est-ce qu'il dit, mon frérot ? Comment ils vont ? Ça va ? Ah, mais vous avez même pas pêché ? Non. Si, vite fait. En tong ? En claquette ? Ça va, mon Nico ? Bien. Comment il va ? Ça va ? Ouais. Ça farte ? Ouais, vous avez pris des poissons ? Ah non, on a juste... On a pêché 5 minutes. Hein. Non, mais vous êtes capable de prendre du poisson en 5 minutes. C'est ça. En tong. Mais on n'est pas arrivé. On a vu déjà 4-5 truites. Personne. Bien. Donc, parfait, bivouac est là. Impeccable. Tout va se passer là, c'est maintenant. Bon, bah... Ouais, habillez-vous, les gars. On va se préparer, du coup. Mm. Non, non, les tentes, c'est secondaire, c'est provisoire, ça. C'est après coup. C'est quoi ? Non, ils demandent si on monte les tentes. On va pas monter les tentes maintenant. Putain, je pêche en basket le week-end dernier, sur la bras. Je dis, bon, je risque rien. Je fais pas 100 mètres, je fous le pied sur un serpent. Bon, si jamais j'envoie un de serpent, je te le jette. Je te le jette à la face. Ça fera le dîner de ce soir. Alors là, on a deux opposés. Il y en a un qui devrait faire dans sa partie de pêche 12,50 m et l'autre 12 bornes et demie. Tu choisis lequel tu veux voir pêcher. Quoi. Les copains là avec qui on pêche, on est vraiment des fans de nymphes à vue. Donc tant que la lumière va nous le permettre, on va essayer de pêcher en nymphes à vue. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes nymphes que la journée, mais il y a un moment donné où la lumière ne nous permettra plus de voir les truites sous l'eau, donc là on va passer en sèche pour pêcher uniquement les goboges. Mais tant qu'on les voit, on pêchera sous l'eau. Jura 1, Haute-Savoie 0. Oh le refus de sa mère, elle a fait un mètre pour venir la voir. Oh mais Fred, c'est normal qu'il manque. C'est un peu son métier quoi. Elle y est. Ah, elle est pas grosse Fred. C'est sympa quand même. C'est la plus petite du tas. Elle se fait croquer par une autre. Elles sont vraiment pas gentilles entre elles, ces truites. Bon bah content quand même. Hein. Surtout vu comment on en bave, il y a quand même des bons pêcheurs dans l'eau, donc on est sur des poissons éduqués. Donc voilà, belle petite truite de la Bienne. Bon, c'est vraiment un poisson de taille modeste pour la rivière, mais qui fait quand même très plaisir, surtout quand les copains en prennent pas. Et à la prochaine, quand tu feras 10 cm de plus. Les poissons, ils sont pas installés à un seul endroit à gober, à attendre ce qui dérive, mais plutôt à marauder, et puis du coup, ils prennent un peu ce qu'ils trouvent. Donc je vais essayer de faire venir le poisson à la mouche, avec une grosse mouche qui se voit bien de loin, plutôt que de chercher le poisson à sa position. Ah, juste devant ma mouche, là. Ah, et il a pris un poisson là-bas. Yes! Bien, mon Fredo! Est-ce que tu as pris du poisson? Non, pas encore. Ah, d'accord, c'était pour savoir. Merci! Mais de rien. Oh putain! Zobi! Il est bon, ce Nico. J'en ai vu une, quoi. Je suis désolé, Nas. Oh là là. Excellent. Eh ben là, voilà.
Yes! C'est putain, bon ça! J'ai gagné ma côtelette? Heureusement que tu sais faire ça, on va. Il n'y a que Nas qui n'en a pas fait en fait, c'est ça? Eh ouais, il est comme ça, Nas. Sinistre et vert pour demain, te rappelle l'atto qu'il nous a mis la dernière fois. Ouais, je laisse un peu d'avance et donc après je m'adapte. C'est de la courtoisie, j'appelle ça. Nassim, il est un peu primordial dans le bivouac parce que, en gros, il fait tout et nous, on le regarde. Donc, une fois que tu as bien choisi les hommes, ça se passe pas trop mal. Je te jure. Je regarde mon sion pour, tu sais, poursuivre où était ma nymphe, comme ça, puis je sens, toc, je fer était pendu. Je savais même pas que ma nymphe était dans l'eau. Grosse bagarre aussi. Ah ouais, 62, elle est partie à fond, elle est passée sous un rocher comme ça. Ah là là, ouais. On s'est tous connus les uns et les autres par le biais d'Internet, en fait. Même avant l'époque des réseaux sociaux, par le biais d'un forum qui était consacré à la pêche à la mouche. Donc on a tous été actifs sur ce forum et on s'est rencontrés comme ça. Donc ça fait déjà une paire d'années quand même, pour ce qui nous concerne en tout cas. C'est bon, on est bon. C'est bon, on dégage. Ouais. Eh ben, bonne nuit, à demain. À demain. À toutes, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. On dort en wader ou pas? Et puis t'enlèves ton truc avant pour pas tout mouiller quoi. On a eu pas mal de pluie et puis bah, finalement ça s'est calmé dans la nuit donc ça va. Visiblement la rivière a pas trop bougé donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que hier soir, il y avait quand même pas mal de pluie qui tombait. Donc on va voir ensemble. Je sais pas encore ce que les autres ont décidé, mais on va bien trouver un endroit sympa avec 2-3 poissons à tourner, je pense. Bon bah allez, on y va. On suit, Fred, on suit. Ça roule. Alors la Bienne, par rapport à la rivière d'Ain, c'est à peu près le même profil. Hein. On retrouve une rivière calcaire aux eaux claires avec des truites zébrées. C'est les mêmes poissons. Il y a une densité certainement un peu plus forte puisque c'est en eau kill pour la deuxième année consécutive sur un linéaire de 23 km, ce qui est juste exceptionnel pour le pays. Donc, et puis on a une croissance certainement plus rapide en plus. Donc ça attire énormément de monde puisqu'il y a énormément de poissons entre 40 et 55 cm. Donc on peut faire de très très belles pêches quoi. Mais autrement, au niveau profil et clarté des eaux et truite, comportement, on retrouve des similitudes avec la rivière d'Ain. Ouais, bien Fred, joli, ça commence. Alors au niveau des populations de truites sur la Bienne, ça va beaucoup mieux. Mais autrement, au niveau assainissement, pour l'instant, il n'y a pas eu grand-chose de fait depuis la catastrophe. La PPMA et son président travaillent d'arrache-pied pour améliorer tout ça. Et c'est pour l'instant, c'est surtout la protection du poisson via le no-kill qui fait que les densités sont améliorées et pas forcément une meilleure qualité d'eau. Ah, loupé ! Ah ! Elle l'a pris, elle l'a craché ! La garce ! Oh, je la manque encore! Mais c'est pas possible! Ça remet bien les pendules à l'heure aussi. Ça fait du bien. Quand tu te prends pas mal de râteaux et tout, ça te fait. Ça te remet un petit peu dans la réalité. À mon avis, c'est tous des poissons qui ont déjà été pris. Et elles recrachent à une vitesse folle, quoi. Donc le temps qu'on se rende compte que le poisson a pris, c'est déjà recraché, quoi. Ah ouais, au niveau pêche, c'est un tueur. C'est un tueur, Nico. C'est un mec qui connaît la rivière par cœur, il connaît la nymphe à vue par cœur. C'est Obélix qui est tombé dans la potion, quoi, quand il était petit, quoi. Et puis, il est pas avare de conseils, donc ça, c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir pêcher avec quelqu'un qui maîtrise, ça nous permet, nous, de progresser et puis d'apprendre, quoi, à son contact. Yes! Oui!
Alors voilà. Ce matin, on a eu du mal. On dirait que ça commence quand même un peu à sortir. Plus le temps passe, plus on voit du poisson. Donc est-ce que c'est le début Mais c'est compliqué, ouais, c'est pas facile. On aura au moins un poisson. On va pas rentrer bredouille vers les copains. Elle va partir, hop là. Mange pas. La Haute Rivière d'Ain a écrit déjà de très belles lignes depuis des décennies. Et j'espère que oui, on va encore en écrire d'autres. C'est peut-être la rivière la plus privilégiée au niveau Franche-Comté, au niveau des pollutions. Pour l'instant, en espérant que ça dure, et j'espère que mon fils continuera à être aussi proche de la rivière que j'ai pu l'être, en la défendant aussi, lui, de tout son cœur. Et ils en ont pris 7, les deux. 4 nasses, 3 thibauts. La casse, des casses, des ouais. Ouais, de la pêche quoi, ils ont pêché à donf.